Ah, le dernier acolyte arrive enfin. J'espère que tu ne penses pas bénéficier d'un statut privilégié. Ce serait dommage que l'envie de liberté te monte à la tête. Ou que tu t'imagines que tu n'es pas obligé de réussir les épreuves pour devenir un Sith. Le Seigneur Zash m'a chargé de tester les rebuts que vous êtes pour trouver celui qui serait digne d'être son apprenti. Et c'est ce que je compte faire. Pas de sentimentalisme avec nous. On se connaît à peine. Aucun risque. Bon, vous savez ce qu'on attend de vous, bande de déchets vivants. Allez-y pendant que je mets notre retardataire au courant. Sois prudent, l'ami. Et ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Il ne peut pas tous nous tuer. Je vais l'attaquer de face. Toi, prends-le par derrière et on verra comment il s'en sort. Bof. Tu as l'air de pouvoir t'en sortir tout seul. Bien, esclave, voici ton épreuve. Un ermite répondant au nom de Spindral vit dans le tombeau d'Ajuntapal dans la vallée des Seigneurs Noirs. Spindral est un vieux fou, mais le Seigneur Zash le considère comme une sorte de prophète. Quand tu l'auras trouvé, il te testera. J'aime relever des défis. Bref, tu connais maintenant ta mission. Spindral vit dans le tombeau d'Ajuntapal, dans la vallée des Seigneurs Noirs. Ne fais pas attendre Spindral, esclave. Esclave. Bienvenue dans mon humble grotte. Tu viens passer ton épreuve, c'est ça? Apprendre la voix des Sith grâce à un vieux gâteux dans un tombeau. Avec l'espoir de présenter à ton maître la marque de mon approbation. En fait, je suis juste venu respirer un peu l'air frais. Tu me prends pour un idiot? Personne ne vient dans ces tombeaux par plaisir. Pas même moi. Non, ils viennent tous pour le pouvoir. Parce qu'ils pensent que dans ces tombeaux sont cachés les secrets du côté obscur. Et c'est le cas. Mais avant de les apprendre, tu dois passer l'épreuve du sang. Si tu survis, je t'enseignerai ce que je sais. Ces anciens acolytes voulaient avoir une deuxième chance de connaître la gloire en te tuant et en prenant ta place. Mais ton envie s'est avérée la plus forte et leur sang symbolise maintenant ta victoire. Bravo. Mais tu n'es pas encore un Sith. La paix est un mensonge. Il n'y a que la passion. Par la passion, j'ai la puissance. Par la puissance, j'ai le pouvoir. Par le pouvoir, j'ai la victoire. Par la victoire, je brise mes chaînes. Tel est le code Sith. Imprime-le dans ton cœur et alors tu auras la force pour écraser tes ennemis. Me comprends-tu? Il n'y a rien que vous puissiez m'apprendre que je ne sais déjà, vieillard. Alors pars. Retourne voir Arkun et laisse ta haine envers lui t'alimenter. Sers-toi de ta peur de lui pour devenir plus fort. Il peut peut-être lever le poing pour frapper, mais c'est le Seigneur Zash qui décide où le coup doit atterrir. Mais qui contrôle Zash ? Quand tu connaîtras la réponse, tu auras plus de pouvoir que tes deux maîtres. Maintenant, va. Laisse-moi me reposer. Ah, te voilà, enfin.
Encore une fois en retard. Bon, voyons ce que l'ermite pense de toi, Chief Moll. Acolyte Cory, avance d'un pas, je te prie. Oui, surveillant. Tu es une charogne tellement inapte et pathétique que même un fou comme Spindral s'en est rendu compte. En d'autres termes... Je vous présente un nouvel acolyte. Von Alt. C'est un vrai site. Et il va vous réduire en bouillie, esclave. Regardez-le. Plus aucun lien de parenté, mais un sang de site pur. C'est le futur apprenti du Seigneur Sash. Pas une raclure comme vous. On verra s'il est si fort que ça dans les tombeaux. Tout seul. Avec moi et mon sabre pour seule compagnie. Viens par là, esclave, je veux te parler en privé. Les autres, allez-vous-en. Vous connaissez votre mission. Toi aussi, Fon. Spindral t'attend. Maintenant, écoute-moi bien. Spindral est un fou. Son approbation ne signifie rien. Tu es un esclave et tu vas mourir. C'est bien clair ? Il en faut plus pour m'intimider. Tu es un esclave, ne l'oublie pas. Bien, voici ta deuxième épreuve. C'est une épreuve spécialement réclamée par le Seigneur Zash, et que tu vas certainement rater. Va voir l'inquisiteur Zin dans les cachots. Il te fournira les détails de l'épreuve, qui se soldera à coup sûr par un échec. N'espérez pas me voir échouer, Arkun. Je suis du genre coriace. Ne parle pas trop vite, esclave. Je ne veux pas te revoir tant que tu n'auras pas été dans les cachots. C'est tout. Vous arrivez au bon moment. Arkun m'a donné des instructions très précises. Vous avez grandi en esclave, mais vous devez oublier ses principes et apprendre à en contrôler d'autres. Et j'ai l'épreuve idéale pour ça. Voici une larve d'acolyte. Il sera votre victime. Ma victime, vous dites? Je sens que je vais bien m'amuser. Vous n'êtes pas là pour vous amuser, acolyte. Il y a peu de temps s'est produit ce que nous appelons un meurtre non autorisé, ici, dans l'Académie. Une rivalité entre apprentis s'est soldée par la mort de l'un d'entre eux. Interrogez-le. Obligez-le à dénoncer celui qui a commis ce crime par tous les moyens nécessaires. Protégez vos oreilles, car ça va peut-être faire du bruit. Merci pour cette attention, mais je préfère profiter du moindre de ces hurlements. Ne me fais pas de mal, je ne sais rien. Criminable, je veux t'entendre supplier. Pitié, ne refais pas ça. Je ferai tout ce que tu voudras. Qu'est-ce que je ne devrais pas refaire? Ça. Sam, pitié! D'accord, d'accord. Je vais parler. Il me tuera, mais tant pis. Le meurtrier est un apprenti dénommé Esser Kane. Il faut me protéger. Sinon, il va me tuer. C'est pas mon problème. Non, comme toujours, pas vrai? Ça te concernerait un peu plus si tu avais un sabre laser sur la gorge. Avec un peu de chance... Kane m'achèvera rapidement. Pas la peine de me le dire. J'ai entendu clairement le nom du meurtrier, même si je préférerais ne pas le connaître. C'est Esser Kane. Le maître de Kane est un membre du Conseil Noir. Je serais fou de m'opposer à lui. Quoi qu'il en soit, votre épreuve est terminée. Je vais faire votre éloge au surveillant Arkun. Vous pouvez retourner le voir. Plus de torture ? Oh, moi qui commençais à y prendre goût. Je sais, quand on commence, c'est dur de s'arrêter. Revenez plus tard si vous survivez à vos épreuves. Ça aura été un plaisir de vous voir à l'œuvre, acolyte. Sincèrement, je vous souhaite bonne chance pour les épreuves restantes. Bien, eh bien. Moi qui m'attendais à devoir encore supprimer un acolyte, cette peine va m'être épargnée. Sans surprise. Nilok manque à l'appel.
C'est également sans surprise que Fon a réussi sa première épreuve. Dans peu de temps, il vous piétinera tous. Je vais te mettre en pièces sur le champ, esclave. Patience, Fon. Un accident dans les tombeaux serait bien plus convaincant. Maintenant que vous connaissez votre prochaine mission, fichez le camp! Je veux parler à Fon et à notre retardataire. Alors, esclave, Zin dit que tu t'en es sorti à merveille, et bien que je trouve ça difficile à croire, le seigneur Zash est satisfait de ton évaluation. De toute évidence, Zin t'a aidé d'une manière ou d'une autre, mais ce ne sera pas le cas lors de la prochaine épreuve. Avec Fon, vous allez passer des épreuves d'intelligence afin de tester votre aptitude à utiliser votre compréhension de la Force pour résoudre des problèmes. Un esclave ne peut pas me battre au niveau intellectuel. J'ai été instruit par les plus grands professeurs. Du calme, Fon. Je sais que cet esclave ne t'arrive pas à la cheville. Vous aurez donc des épreuves différentes. Vraiment, toute cette générosité me surprend. Tu es en train de creuser ta propre tombe. Fon, tu vas aller à la bibliothèque, au deuxième étage de l'académie, et traduire les textes suivants pour le seigneur Zash. Oui, surveillant. Esclave, dans le tombeau ancestral et infesté de monstres de Markaragnus, il y a un holocron encastré dans un grand monument en pierre et qui contient de sombres secrets. Personne n'a réussi à libérer l'holocron de sa prison de pierre en plus d'un millier d'années. Rapporte-moi cet holocron ou tu mourras. Plus vous m'obligez à vous détester, plus ça me rend fort, Harkoon. Et un jour viendra où je le serai assez pour vous écraser. Tu ne seras jamais assez fort, esclave. Tu dois me ramener l'holocron ou prier pour que l'esprit de Markaragnos en personne se réveille pour achever ta misérable existence. Maintenant, vas-y! On va voir si tu aimes ça! Ouvre-toi, bon sang! Tu as intérêt à ne pas me faire perdre mon temps, esclave. Tu as intérêt à avoir l'holocron. C'est un faux. Ou bien tu l'as volé à la bibliothèque. Je m'occuperai de toi plus tard. D'abord, c'est l'heure de faire une nouvelle démonstration. Gurr, avance d'un pas. Oui, surveillant. Fon, tue-le. Avec plaisir, surveillant. Que Gurr soit un exemple pour vous tous. Fon l'a tué facilement, et il fera pareil avec vous. Des objections ? Vous ne faites qu'alimenter notre force, Harkoon. Et tes commentaires ne font que précipiter ta perte, esclave. Bon, vous connaissez tous la prochaine épreuve. Partez. Toi, esclave, reste ici. Alors, esclave, tu penses que tu as été assez malin pour ramener l'holocron, n'est-ce pas ? Je suis inégalable. Tu as de la chance que le seigneur Zash te trouve utile. Bon, voici ton épreuve. Les derniers et les plus noirs des secrets de Tulak Horde sont enterrés dans son tombeau. Le seigneur Zash veut ce document. Mais la dernière demeure de ce seigneur n'est pas facile d'accès. Tu ne seras pas le premier à y mourir. Oui, vous m'envoyez encore dans un tombeau pour réaliser l'impossible, en espérant que j'y laisse ma peau, et je vais encore revenir pour vous prouver que vous avez tort. La ferme, esclave! J'en ai assez de tes railleries! Pas la peine de revenir si tu n'as pas récupéré le texte dans le tombeau de Tulak Horde. Maintenant, hors de ma vue, esclave.